Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode qui saura vous aider à transférer les photos et vidéos d'iPhone vers votre PC facilement et rapidement. Et ça saura vous aider à libérer de l'espace de stockage sur votre iPhone. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, le plus gros problème se trouve dans les iPhones, soit les anciens iPhones ou les nouveaux iPhones. Le problème est que l'espace de stockage de l'iPhone se remplit rapidement. La raison est que l'iPhone dispose des caméras de haute qualité. Lorsque vous enregistrez une vidéo de 3 minutes, par exemple, cela prendra environ 300 mégapixels d'espace de stockage. Imaginez si vous enregistrez une vidéo de 30 minutes, le stockage de l'iPhone sera rempli immédiatement. Et pour éviter ce problème, vous devez enregistrer ces photos sur votre PC. Et comme ça, vous libérez de l'espace de stockage sur votre iPhone. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, pour transférer les photos d'un iPhone vers un PC, on va utiliser ce logiciel. Et comme d'habitude, le lien du logiciel sera dans la barre de description. Si ça, le site du logiciel, clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Également, le logiciel prend en charge toutes les versions d'iOS, même iOS 16. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface de logiciel, très facile, pas compliqué. Ce logiciel doit être installé sur votre PC si vous avez un iPhone, car ça aura vous aider tellement dans ta vie. Les avantages de ce logiciel est qu'il permet de gérer facilement les données de votre iPhone. Il vous permet de transférer des fichiers entre votre iPhone et votre ordinateur de manière simple et rapide. Vous pouvez également sauvegarder vos données en un seul clic et les restaurer en cas de perte de données. Également, ce logiciel vous permet de supprimer les applications inutiles, de sauvegarder des applications importantes, de transférer les applications d'un appareil à un autre et de réinstaller les applications supprimées. Ce logiciel vous permet aussi de supprimer les fichiers temporaires, les fichiers de cache, etc. Et la meilleure option dans ce logiciel est que le logiciel peut optimiser la performance de votre iPhone. Et vous avez aussi, cette option vous permet d'afficher l'écran de l'iPhone sur votre PC. Donc, c'est ça les avantages du logiciel. Alors, si vous souhaitez transférer les photos de votre iPhone vers votre PC, suivez simplement ces étapes. Connectez votre iPhone au PC via câble USB. Voilà, l'iPhone est bien connecté. Donc, allez à option gestion de données. Ça va apparaître avec vous cette page. Alors ici, vous allez trouver toutes les données de votre iPhone. Les photos, vidéos, musique, contacts, les applications, etc. Donc, choisissez les photos que vous souhaitez transférer. Et vous avez la possibilité de choisir toutes les photos. Et après, clique sur exporter. Ça va apparaître avec vous cette fenêtre. Donc, changez format d'image comme ça. Clique ensuite ici pour choisir un emplacement pour ces photos. Voilà. Et finalement, clique sur suivant. Immédiatement, le logiciel sera transféré toutes les photos à votre PC. Voilà, le transfert a terminé avec succès. Clique maintenant sur ouvrir le dossier. Regarde ça. C'est génial, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez supprimer les photos sur votre iPhone pour libérer plus de l'espace de stockage sur votre iPhone. Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.